Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission « J'aime mon commerce ». Il s'est déjà fait une petite place au soleil et pourtant ce restaurant n'a ouvert ses portes qu'en mai dernier. Le Familial, brasserie située à Neptuna, est comme son nom l'indique une affaire de famille où travaillent père, fille et cousin en cuisine. Pour Pauline, sa jeune gérante, il s'agit d'une totale reconversion professionnelle et une nouvelle aventure pour elle. Allons donc déjeuner au Familial où sa cuisine traditionnelle française maison a su trouver son public. C'est un ancien salon de coiffure, je suis coiffeuse de base. Ouais. Et pendant le Covid, j'ai décidé de me reconvertir dans la restauration. On devait ouvrir en février de base. Sauf qu'avec le Covid, bon ben, on n'a pas pu. Donc on a reculé jusqu'en avril. Et voilà, les travaux ils ont été faits et de novembre à avril. Pour toutes les finitions, parce qu'il faut tout changer quoi. Le salon de coiffure, on n'avait pas de cuisine, on n'avait pas de comptoir, on n'avait rien du tout quoi. Donc c'est vrai qu'il a fallu du temps, il a fallu de l'investissement, on a tous donné de soi pour réussir à en arriver là aujourd'hui. Mon père a le garage juste à côté. Et c'est vrai qu'on travaille en famille, donc on a dit pourquoi pas sur le même terrain. Et comme j'ai dit, ben, j'avais le salon de coiffure. Donc j'avais l'emplacement, j'avais tout. Et c'était l'opportunité de se mettre ici. J'étais pas pour du tout ce temps. J'étais pas pour du tout le familial. Et pourquoi ? Parce que ça me disait pas et puis au final c'était un bon compromis, on travaille en famille, on est tous en famille, c'est très familial. Et du coup ben, le familial et on a sorti le familial parce que voilà, c'est une affaire en famille. On fait de la cuisine traditionnelle avec des produits frais. On fait nos courses tous les matins. Pour chaque jour. On ne sait pas ce qu'il y a la veille pour le lendemain, on ne sait pas ce qu'on fait. On a une carte qui ne bouge pas, qui est la même en fonction des saisons quand même. Il ne faut pas oublier ça aussi. Pareil, on cuisine avec que des produits de saison. On a une petite carte, vu qu'on n'a que des produits frais. Donc la carte est réduite, après ça, je pense que ça suffit largement. On a quand même deux plats du jour, tous les jours qui changent au jour. On a toutes les semaines des suggestions, comme on peut voir, bah aujourd'hui c'était la côte de bœuf. Après ça change, c'est très aléatoire. Et la carte, on la fait en fonction des saisons. Là on a intégré des salades chaudes, on va dire, parce qu'on commence dans des températures où il fait plus très chaud. Voilà, après l'entrecôte, c'est un classique. On l'a quasiment tout le temps. Le burger poulet, c'est pareil, il reste et je pense qu'il restera même cet hiver. En prix, je trouve qu'on est quand même assez correct. On n'est pas là pour faire manger. Il y en a qui ont des paniers repas entre midi et deux. Beaucoup de sociétés. Donc ils n'ont pas forcément 30-40 euros par personne à mettre pour un repas. Donc je pense qu'au niveau des tarifs, on est quand même assez correct. Et on est quand même sur de la qualité parce que bon ben, y a rien qui est surgelé, y a tout qui est fait minute. Ça il faut le dire, c'est une viande elle se cuit à la minute quoi. Y a rien qui est pré-cuit, y a tout qui est fait minute. Les frites, on travaille qu'avec des frites fraîches, on les coupe tous les matins, on les fait à la minute. C'est une prise de risque, sachant que je ne suis pas cuisinière, mon père non plus. Et du coup, ben oui, on s'est lancé dans quelque chose qu'on ne connaissait pas en fait. Hein. Donc oui, c'est une prise de risque dans ce sens et puis au final,
je pense qu'on est tous à la bonne place et on est tous, on se complète tous en fait. C'est quelque chose qui me plaît à moi, plus que la coiffure. C'est que c'est, ouais, on est tous très bien, on est tous heureux de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, merci de nous avoir suivis et à lundi pour le JT de Book TV. Bon week-end à tous!